présente quand même les musiciens qui interprètent ce morceau-là. D'abord à la guitare tempo, à la guitare d'accompagnement, Gérard Kavczynski. À la guitare basse, c'est Claude Benaya. À la guitare solo, c'est Jean-Pierre Alarsen. À la batterie, André Sidbon. Et ces musiciens forment un groupe de musique qui est tous les soirs sur la scène du théâtre de la Porte-Saint-Martin où l'on joue Hair. Nous vous présentons donc une méthode audiovisuelle de guitare moderne, originale et complète. Originale, eh bien, tout simplement parce qu'il utilise, pour illustrer ses techniques, des partitions modernes, chansons de variété, folk song, blues, rhythm and blues, jazz, musique de danse, pop musique, et plus tard dans une autre direction, mais vraiment une autre direction complètement, le flamenco. Elle est complète également parce que, parallèlement à l'étude des doigtés, virtuosité, accompagnement et solo, nous vous donnerons des connaissances importantes en théorie musicale, même si vous êtes entièrement débutant dans ce domaine. Ceci vous permettra, à la fin du cycle bien sûr, d'aborder les techniques d'improvisation, de transposition et même d'effets spéciaux. Ça, c'est très important ça. Et chacun trouvera dans cette méthode l'expression musicale qui lui convient et pourra, grâce au service annexe du club, spécialiser sa technique dans tel ou tel domaine. Conçu pour votre plaisir, notre méthode vous laissera la possibilité d'être votre propre directeur d'études et d'y accorder une partie seulement, une toute petite partie de vos loisirs sans vous astreindre à des délais précis. De conception pratique, présentation en coffret, de fiches séparées, facilement transportables, elle vous permettra de travailler seul ou en groupe. Voilà. Des enregistrements en 33 tours vous donneront tous les exemples et les directives auditives nécessaires. Vous y rencontrerez les meilleures œuvres et les noms les plus prestigieux de la musique moderne. Pour beaucoup d'entre vous, la pop musique constitue le but recherché, n'est-ce pas ? Alors vous aborderez cette discipline, comme les autres expressions musicales d'ailleurs, de la méthode, progressivement et complètement, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Nos séries ou fiches d'études s'enchaînent l'une à l'autre, harmonieusement et progressivement, pour développer petit à petit vos connaissances et votre virtuosité d'une manière on ne peut plus définitive. Enfin, c'est assez dire que les techniques que nous diffusons ne représentent pas un vernis de tous les genres de musique, mais des connaissances quand même profondes. Louf. Et pour citer Alan Watts dans un de ses récents interviews, on ne joue pas de la musique pour aller vite, pour en finir, n'est-ce pas? Sinon, tous les compositeurs seraient spécialisés dans les finales. La musique, c'est admirablement l'instant présent. Fin de citation d'Alan Watts. Et c'est cet instant présent que nous vous proposons. Nous utilisons les meilleures compétences, musiciens et professeurs consacrés, et les meilleures techniques d'enregistrement et effets spéciaux. Par exemple, la saturation, la guitare wah-wah, les effets Larsen, etc., etc. Sur la seconde face de ce disque, vous écouterez quelques extraits pris parmi les nombreux morceaux étudiés par la méthode. Et tout au long de cette documentation sonore, vous avez pu entendre donc l'ensemble pop sous la direction de Claude Benaya, l'orchestre de la revue Hair, n'est-ce pas? Je vous rappelle quand même qu'à la guitare basse, il y a Claude Benaya, à la guitare solo, Jean-Pierre Alarsen, à la guitare tempo, Gérard Kavczynski, et à la batterie, André Sidbon. Nous espérons vous compter bientôt parmi nos adhérents et faire de vous un guitariste de qualité. Hors texte, n'est-ce pas? Hors texte, un peu plus loin, vous trouverez une série de pop musique. Vous avez été très très nombreux à demander cette série de pop musique. Eh bien, on s'est décidé quand même à vous la livrer, mais pour ça, croyez-moi, il va falloir la mériter. C'est pas tout de dire moi je veux faire de la pop musique. Il faut la vérité, il faut travailler. De toute façon, hors texte, série de pop musique. Salut.